Là, c'est mon deuxième vaisseau. Et Lolo, il y a Pelartos qui est sur place avec le Mustang et il y a Yana qui m'a dit d'aller sur son canal. Ouais, si tu peux y aller. Là, je suis rentré dans l'avant-poste. Bon, alors si t'as un véhicule terrestre, tu sors le véhicule, tu fais un petit tour. J'ai, mais j'ai déjà sorti deux vaisseaux déjà. Ok. Tu sais qui défend son clavier là? Pardon, c'est ma secrétaire. Les Arc 7 85X Dispo. Terrestre, je reviens. Je reste en attente. J'ai réussi à recharger tout le fuel d'hydrogène du sang. En fait, il faudrait le mettre un peu dans le même axe que le. Si t'es au sol, ouais, je veux bien que tu bouges. Alors, il est pas très bien. Le 890, c'est scénario d'y aller. Remplacer le Hercule par un Mustang. Un petit Alpha, ouais, c'est ça? C'est équilibré. C'est pareil. Mais complètement, je salue cette initiative. Ah bah c'est bien parce que moi c'est la première fois que je le prenais. Tu vois, c'est un Mustang pareil.
un petit reclaim. Encore, encore. Ah, il y en a qui a pas désactivé sa nox. Stop, là c'est bon. Je crois que c'était prévu qu'elle vole, non? Ah non. Ouais, c'est... sinon elle se met sur le côté. Et là on fait gaffe, on peut pas écraser. Est-ce qu'on est bon pour les deux? Oh là là, ça paraît pas trop mal. Ouais, ça paraît pas mal, ouais. Attention, les water patates qui arrivent, faut. Patate plate. Faut faire de la place. Les quatre vanguardes à l'entrée, là, c'est moi ou il y a deux sentinelles? Oui. Ah d'accord, je pensais qu'on mettrait un de chaque. C'était Alex qu'on peut, hein. Y'a pas de Warden. Non mais c'est eux qui vont balancer le MP tout à l'heure. On a pareillé la peinture du 190. Warden, c'est... Ah parfait, mon assurance est rassurée du coup. Est désormais ouvert. Amusez-vous bien et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, pour la récompensation, si vous êtes de la part de la force d'un sérum, sur 10%. C'est doit être le mien. Est-ce qu'il y a des rayures? Ah merde, ah, il y a des griffes sur le côté gauche. Par choc est entamé, c'est le tien. Bon, moi je vous laisse, hein. Ils ont déjà tous vu et du coup, me faire chier là. Ah bah il y a là. C'est quoi comme véhicule ça déjà? Il y a les L7 qui sont en train d'atterrir du côté. Je viens de chercher Phoenix. C'est le Rock DS. Vous cherchez de l'exotisme, il y a des Mustangs qui sont garés. De l'exotisme. Correction, côté est de notre côté est. J'ai cru voir un pionnier à gauche. Ah, dommage. Non, mais j'ai... Monsieur le hiérarque, comme vous pouvez voir. Il est où le Perseus? Ne bouge pas, Phoenix, ne bouge pas, je vais t'inviter dans le groupe. Attends. Il est toujours en cours de fabrication, le Perseus. Manufacturé par Grecat Industrial, cette machine est extrêmement efficace pour miner de grandes quantités de. Bah, je vais quitter aussi le groupe et tu vas me réinviter, ceci, ça te dérange pas. C'est le nouveau, ça, c'est quoi comme modèle? Le modèle vient de sortir, en effet. T'as reçu, Phoenix? Parce que ça bouge dans tous les sens. Il me semble il y a quelques semaines, même pas une ou deux semaines, pas plus. Ah bah, en effet. Ça bouge dans tous les sens. T'as vu, Jinx? Il est équipé de ouf, là. Oh bah, quand même. Il est sympa comme véhicule. Double place en plus pour miner à deux.
Comment ça, il n'y a pas de tisserie? Si, si, il y a petit sanglier. C'est bien. Ah, super. Vous pouvez alterner les positions. Que je vois un autre là en l'air. Ouais, c'est moi. Non, 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 non. C'est Impérial Géographique qui est en l'air. D'accord. Sacré pneu, hein. Punaise. Arrivée de la patrouille N7 Est de l'exposition. Attention, attention. Impressionnant, on a le Aurora Javelin, le Aurora Bengale. Oui, bah Aurora bien qui ira le dernier. Hein. C'est ça. Aurora pas, hein, c'est ça. On peut faire des petits entretiens privés avec les autres teams. C'est carte blanche pour tout ce que vous voulez faire. Oh. Les patates de l'air, par contre, ils font une autorisation des propriétaires des vaisseaux, c'est tout. Ouais, ok. Attention à ce que vous dites avec les Alice, hein. Il est très très pointueux sur les termes. Quand vous dites carte blanche. Ah, bah, faire carte blanche. Ah, ouais. C'est... Ah, je vais tout repeindre. Excusez-moi. Ah, voilà. Les pilotes de la patrouille N7 arrivent, ils vont se rejoindre à nous. Si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas. Ah, et ça, c'est la table du 404, c'est ça? Ça. C'est le gros très, numéro. Très joli. Ouais, il est bien fait. On va voir qu'on est dans un concert. Oh, petit train d'atterrissage, bravo. J'ai. Pour les pilotes va être de rester mais vraiment
dans une très bonne formation les uns par rapport aux autres. Cette formation vous a été présentée par les pilotes de la flotte de défense de la N7. Petit rappel, la flotte N7 est composée de plusieurs flottes, la flotte d'attaque, la flotte de défense, la flotte industrielle, la flotte scientifique et la flotte commerciale. Voilà, pour les trois dernières que je viens de citer, ce sont des flottes qui sont dédiées à tout ce qui est activité civile et les deux premières activités militaires. Votre information, donc tous les N7 sont avant tout des militaires ayant plusieurs spécialités. Les Vanguard sont en approche. Et ils vont essayer de se poser, chacun leur tour, de manière synchrone. Avec la difficulté effectivement que un Gladius est resté en panne sur la piste. Ce qui contrarie légèrement nos plans. On a l'habitude. S'adapter, improviser, dominer, vaincre. C'est une maxime qui est souvent affichée sur le pont de tous nos vaisseaux. Quoi que les vaisseaux se seront posés, leurs pilotes vont descendre et venir face à vous afin de vous saluer.
J'espère que cette formation, ce show vous aura plu. Nous remercions particulièrement les organisateurs de ce show, les autorités locales également, qui nous ont permis de réaliser ces figures au-dessus de vos têtes. Et voilà le dernier Gladius qui se présente. Merci à vous, merci d'avoir patienté. C'était le soldat d'Aguilde. Merci à tous et j'espère vous revoir l'année prochaine de l'ECA. Merci à tous. Mesdames et messieurs, pour finir, Allez Corporation vous propose des baptêmes de l'air sur demande. N'hésitez pas à rejoindre leur stand pour plus d'informations. Vous pouvez bien évidemment continuer à parcourir les allées de l'Aerospace Show. Nous restons ouverts jusqu'au départ de nos exposants. Ça plus, c'est le principal. Très pro. Ouais, très bien. Ah, c'était très chouette. Vraiment bien fait. C'est vrai. Non, super propre, surtout de les enchaîner. Quoi. Thank you.
Moi, je m'en vais. Je vous salue tous. Merci encore pour le spectacle. Merci à tous pour l'invitation, pour les performances. GG. Et comme je disais, à l'année prochaine. Voilà. Yes. Merci. Bonne soirée. Ciao. 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 Water. Ciao. Salut. Bonne soirée. Je vous laisse aussi. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour le show. C'était vraiment magnifique. Bonne soirée et à très bientôt. Bonne soirée. Yes. Bonne soirée. Ciao. 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 Je suis dégoûté. Moi aussi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Bonne soirée. Ciao. 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 Ciao.